Mon petit Philippe, j'ai deux mots à vous dire. Je vous écoute, monsieur Barney. Un petit whisky. Ah, jamais d'alcool. Café. Pas de café non plus. Citron pressé. Mettez-moi un verre de lait. Bon, eh bien, nous verrons ça plus tard. Philippe, je me trouve devant un dilemme. Un dilemme? Non, vous ne savez pas ce que c'est. Un problème, si vous préférez. Ah, bah sans doute vos douleurs dans l'épaule, monsieur Barney. Bertrand. Ta fille a un amant. C'est le sort de toutes les femmes. Tu n'auras pas de dot. Mon petit papa, il y a quelque chose qui va te faire tomber des nues. Déshabillez-vous. Ça me donne des complexes. Je dois signaler à monsieur que celui-ci n'a plus de boutons. Quoi? Tu ne comprends pas. On dirait un hold-up. Quel taquin! Je vous dispense de faire de l'esprit. Je préfère ne pas perdre un instant ce pauvre garçon pour y glisser sur une peau de banane. Belle formule pour un marchand de savon. On m'a pas demandé mon avis. Je m'appelle Igor. Et moi, je ne suis pas sa fille. Celle au diamant? C'est lui le responsable! Il est déjà venu. Non, seulement la chemise. On dirait un soutien-gorge. Silence! Papa! Tais-toi! Bertrand! Jacqueline! Silence! J'ai besoin de mettre certaines choses au point. Il y avait ici une valise. Vous vous seriez douté de ça, vous? À laquelle j'attachais énormément d'importance. J'aimerais bien que monsieur me paye mon mois. Silence! Je voudrais savoir où elle est! Bernadette l'a rapportée, la valise. Elle est tellement mignonne. Il n'est pas aussi joli garçon qu'Oscar. Qui c'est ça, Oscar? Oscar? Il a avalé les diamants de la bonne qui s'est engagée dans la Légion parce qu'elle avait trouvé un enfant dans une valise! Tu ne comprends pas. Tout s'éclaircit dans mon esprit. Elle a bien de la chance. Oh,